Soliu, bicciotti, ma che cazzo succede? Davor una la nostra invidia che lo DLSS troppo onzeroso era disponibile che pur l'eserte X4000. E mantenant je vous montre un tech demo qui détruit ma RTX 3080. Est-ce que les fabricants de cartes graphiques et les développeurs de jeux vidéo veulent nous obliger à changer de cartes graphiques? La réponse dans cette vidéo. En avril, je vous ai montré la tech demo Matrix réalisée avec le moteur de jeu Unreal Engine 5. Et déjà, à ce moment-là, ma RTX 3080 galérait de ouf parce que je faisais en moyenne 25 FPS. Aujourd'hui, je vous montre la tech demo Ennemis réalisée avec le célèbre moteur de jeu Unity avec toutes ses dernières nouveautés et la situation, franchement, ce n'est pas meilleure. La tech demo est en train de se charger, vous trouvez le lien pour la télécharger et tester vous-même dans la description. Donc là je suis en qualité ultra avec du DLSS activé, du ray tracing activé, le DLSS en mode qualité à la définition 1440p et j'ai fait autour de 73 FPS. Je vous rappelle que j'ai une RTX 3080 MSI Supreme, donc une carte custom bien poussée au niveau de l'overclock et que j'ai enlevé l'undervolt de façon que je puisse attendre le maximum de la consommation de cette carte graphique autour de 350 watts. Je vous rappelle aussi que quand on active du DLSS, on trouve de voir des images mises à l'échelle en 1440p. En fait, si je clique ici sur Show FPS, on voit que je ne suis pas à la vraie définition 1440p et que si je passe au mode native, je suis bien en 1440p, mais du coup, je suis la moitié des FPS. Donc, je réactive le DLSS de façon que la tech demo devient fluide et je reste au-dessus de 60 FPS. Pardon, j'enlève juste ça. Alors, la question est, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi maintenant j'ai fait 20 FPS avec une utilisation de la carte graphique en 100% et une consommation qui n'est plus de 350 watts, mais plutôt de 270 watts? J'ai dû jouer beaucoup avec les paramètres graphiques pour comprendre ce qu'il se passe. Alors, déjà, c'est assez bizarre parce que si je baisse la qualité du DLSS, je devrais avoir plus de FPS et en fait, j'en ai moins. Que c'est déjà inexplicable parce que si je vous montre ici maintenant, c'est comme si on était en train de jouer à la définition 720p. Donc il y a carrément un problème. Même ici, c'est bizarre que ça montre FSR alors qu'on a du DLSS activé. Mais je pense que ça, c'est juste un bug de la tech demo. Donc ça, on va le remettre en qualité maxi. D'ailleurs, j'ai envie de vous montrer que si on passe en native, on perd bien des FPS. Mais de plus, regardez comme la qualité d'image s'est empirée parce qu'on n'a pas d'anti-aliasing. Et comme vous voyez ici, on a beaucoup de flickering. Donc je préfère avoir du DLSS activé, pas seulement pour avoir plus de FPS, mais aussi pour avoir une meilleure qualité d'image. Je me suis dit, c'est peut-être le ray tracing qui pose un problème. Donc si on va le désactiver, je gagne une dizaine d'FPS. Donc le jeu serait un peu plus jouable, mais quand même pas fluide. Et si je baisse la qualité des textures, hein, alors, je touche pas la taille des textures parce que sinon ça va me faire crasher la tech demo. C'est juste pour vous montrer que ça change pas grand chose, sauf si je touche la qualité des cheveux. Et c'est là le problème. Si je touche ces paramètres avec le ray tracing on off, je vais vous montrer après que je passe directement à 60 fps. En tout cas, là, je remets tout à ultra pour vous montrer les performances moyennes de cette tech demo. J'ai envie de vous faire noter deux choses. La première, c'est la qualité graphique. C'est vraiment dingue cette tech demo. Il y a plein de détails partout, il y a plein de reflets partout. On voit qu'il y a vraiment du travail et ça donne vraiment envie. J'ai franchement envie de jouer un jeu avec ces graphismes. La deuxième chose que j'ai envie de vous faire noter, regardez la consommation de la carte, comme commence à monter, comme si finalement commence à être vraiment utilisée et même les FPS commencent à monter également. I have in my head everything that anyone has ever known. Je suis finalement stable au-dessus de 30 FPS, mais quand même on est loin des 60 FPS pour avoir une expérience fluide des jeux. You have in your heart
everything anyone has ever felt. Power is given only to those who dare to lower themselves and pick it up. Je suis retourné sur cette scène juste pour vous montrer que si j'enlève le ray tracing et je baisse la qualité des cheveux, regardez ici. Voilà. Je suis bien à 60 fps et magiquement je peux jouer de façon fluide cette tech démo. Si je remets la qualité des cheveux en haute, comme vous voyez, ça change rien ici et les FPS restent toujours les mêmes parce qu'il y a un problème avec la tech demo. Je devrais la relancer pour les remettre en qualité haute. Mais c'est quand même débile qu'à cause du ray tracing et de la qualité des cheveux, on ne peut pas jouer correctement un jeu. Donc voyons maintenant les FPS avec cette qualité des cheveux baisse et sans ray tracing. Vous trouvez à gauche la version avec ray tracing et à droite sans ray tracing et avec le cheveu de la protagoniste en qualité baisse. On voit tout de suite qu'on a une perte de réflexion de la lumière très évidente en bas des colonnes. Même ici sur la table ou sur le statut derrière. Et personnellement, je note une fluidité majeure à droite. On voit vraiment qu'on a du stuttering à gauche et ça c'est dû à la différence des FPS. I have in my head everything that anyone has ever known. On voit qu'il y a une différence sur les cheveux, mais je la vois pas si significative, si vous voulez. Et je pense qu'on peut sacrifier le ray tracing et la qualité des cheveux pour avoir 60 fps quand même. En tout cas, à partir d'ici, je vous laisse terminer la vidéo et on se retrouve pour discuter du futur des cartes graphiques et du gaming. Power is given only to those who dare to lower themselves. And pick it up. Pourquoi je vous ai montré cette tech demo? Pour deux raisons. La première, c'est que les jeux vidéo, aujourd'hui, je vous parle des jeux mainstream, ceux-là vraiment très célèbres, sont réalisés en collaboration avec AMD et Nvidia, même avec Intel, mais cette dernière vient juste d'arriver sur le marché des cartes graphiques. Et ces fabricants de cartes graphiques ont un seul but, que c'est celui-là justement de vendre des cartes graphiques. Donc ils ont bien l'intérêt à avoir des jeux qui poussent à fond les performances des cartes graphiques plus modernes et rendre les vieilles vite dépassées, de façon de nous obliger à changer des cartes graphiques. Or, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il y a un complot entre les fabricants des cartes graphiques et les développeurs des jeux vidéo. Je suis juste en train de dire qu'il y a une possibilité pour les développeurs de mettre à genoux nos cartes graphiques. Et les fabricants peuvent bien profiter par cette situation. Après, je sais qu'aujourd'hui, il y a des fabricants comme AMD qui ont un minimum plus de respect pour le client. En fait, s'ils maintiennent la promesse, l'FSR 3.0, ça va être une technologie qui sera utilisable soit avec les RX 6000 et inférieurs qu'avec les RTX 3000 et inférieurs. Au contraire d'Nvidia, où le DLSS 3.0, c'est une technologie qui sera disponible pour l'instant que pour les RTX 4000. Et je vous rappelle que l'FSR 3.0, c'est une technologie qui permettra de doubler les FPS et du coup d'allonger la vie des cartes graphiques RTX 3000, RX 6000 et inférieures. Cette tech demo nous montre sûrement les limites des cartes graphiques top de gamme. Une RTX 4090, la carte plus performante en ce moment sur le marché, galère à rester au-dessus des 60 fps à la définition 4K, et ma RTX 3080, on l'a vu, est plutôt entre 30 et 60 fps. Si on joue avec les paramètres, je suis au-dessus des 60 fps, mais quand même, c'est inquiétant de voir une carte qui devrait être à l'aise à la définition 1440p être en galère à cette définition. Donc, est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter? La réponse est non. En fait, il faut savoir que les jeux à la base sont optimisés pour marcher aussi avec les cartes graphiques moins performantes. Si vous allez sur Steam et vous allez dans les spécifications d'un jeu, vous trouvez des prérequis minimales recommandés et dans les prérequis minimales, vous trouvez sûrement des cartes graphiques moins puissantes. Mais il faut savoir, et ça c'est aussi la deuxième raison pour laquelle j'ai décidé de vous montrer
française Tech Demo, qu'en 2023, on va voir un vaisseau générationnel en termes de graphisme avec le moteur Unreal Engine 5 et toutes les nouveautés de Unity. Si vous y réfléchissez bien, ça fait quelques années que les jeux vidéo sont tous pareils au niveau des graphismes. Personnellement, je ne me rappelle pas d'un jeu vidéo sorti dernièrement qui m'a laissé vraiment à bouche ouverte. Eh bien, regardez les jeux vidéo qui vont sortir en 2023. Je vous répète, il ne faut pas paniquer parce que les changements ne se font pas d'un jour à l'autre et surtout il y a moyen de survivre à une génération de cartes graphiques. On peut toujours jouer avec les paramètres, on peut enlever le ray tracing, on peut baisser la qualité de ultra à haute et souvent on gagne beaucoup en performance et on perd pas grand chose au niveau de la qualité graphique. On peut activer du DLSS, du FSR ou comme vous avez vu dans la tech demo, juste baisser la qualité des cheveux de la protagoniste pour avoir tout de suite 30 FPS. Donc il ne faut pas paniquer. Mais attention à ce 2023 et surtout à la fin du 2023 parce que les fabricants des cartes graphiques veulent gagner de l'argent et feront tout pour faire devenir nos cartes graphiques vite dépassées. Qu'est-ce que vous en pensez de cette tech demo? Est-ce que je suis le seul à penser qu'il y aura un vrai changement en 2023? Faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous pensez. Mettez un like et abonnez-vous pour soutenir la chaîne et pour regarder mes prochaines analyses, tests et tutos sur l'informatique. À la prochaine Compica. Ciao!